Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y tout de suite. Le défi va être de découvrir le message caché derrière toutes ces cartes. Il me reste trois cartes à piger. Allons-y avec elles. C'est celle-ci qui a voulu. Oui, c'est retourné. L'argent. Allons-y. Bon, commençons. On nous dit quoi aujourd'hui? On commence avec l'argent. Et le mot attendre. J'attends une somme d'argent. J'attends. Ou j'attends avant de donner. Attendre. J'attends ma paye. J'attends de recevoir une somme ici. Continuons, on verra bien. Attendre. Ou peut-être attendre avant de donner. Je ne sais pas ce que ça vous dit, ce qui vous traverse rapidement l'esprit. Continuons. Cupidon. Cupidon nous parle de quoi? D'amour, de coup de cœur, d'intérêt en commun, de projets en commun, le goût de s'allier, une nouvelle rencontre, une personne qu'on aime. Cupidon, je me sens aimée, c'est l'énergie du cœur. Mon cœur est touché, contact avec mes sentiments. Allons explorer celle-ci. Oh, séparation. Ok, être éloigné d'une personne. On nous dit quoi ici? Peut-être être éloigné d'une personne qu'on aime. Je suis éloignée de cette personne. Nous sommes en séparation actuellement. Pas de communication. Pas de lien. Le paradis. La carte qui me parle de joie, de plaisir. Passer un beau moment ensemble, un moment agréable ensemble. Mais là, en ce moment, j'ai la carte de la séparation. On dirait que je rencontre deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment. Chacune de ces deux personnes, là c'est l'île, je vois l'île, chacun sur son île. Continuons. Le chez-soi, chacun chez soi. Bon, chacun chez soi. Éveil. C'est la carte qui me parle de quoi? D'un changement. Un changement important. Le début d'un nouveau cycle. Bon, attendez une minute. «
Attendre, ici c'est le plan financier qu'on me présente. Bon, je pense il y a peut-être un autre message là ici en ce moment. J'attends une sécurité, de me sentir en sécurité sur le plan financier avant d'opérer un changement important concernant une relation. La séparation, c'est la fin d'une relation. J'attends de me sentir en sécurité sur le plan financier avant d'opérer un changement, avant de débuter un nouveau cycle. Cupidon est présent. Il y a amour ici. Il y a un lien. J'ai l'impression d'être éloignée de cette personne que j'aime. Et à la fois, je rencontre le début et la fin. Le début et la fin. Je mets fin à un lien. Et j'ai l'impression d'en débuter. En tout cas, le prochain. On dirait qu'on me parle d'une nouvelle relation. Nous sommes éloignés l'un de l'autre, chacun sur son île, chacun chez soi. J'attends une sécurité financière. Est-ce que ça vous parle? Ici, c'est le début d'un nouveau cycle en action, l'éveil. On peut me parler aussi de prise de conscience, l'éveil, changement. Changement au sein d'une relation. Ici, action. Ça se vit dans le concret, un premier pas concret. Allons visiter cette carte, les relations. Ah oui. Ah là, je vais prendre le temps de vous lire le message associé à la carte. On nous dit quoi ici? Croissance, compréhension, compromis, amour et relation avec les autres. Allons-y. C'est une très belle carte, la carte Les Relations. Allons-y. On nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter. Eh bien, c'est le téléphone. Vous ne devriez un appel du cœur. C'est un appel du cœur. Continuons. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. C'est le message. Si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, vous pouvez vous exprimer dans l'espace des commentaires. Voilà, merci, à plus tard. Bye bye.